Bonjour à tous mes wapis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ici sous un angle un peu chelou parce que regardez l'état de ma bibliothèque. Là, il faut faire quelque chose et en fait, clairement, mon idée dans cette vidéo, c'était de réaménager ma bibliothèque, mais également de me créer une mangathèque dans mon autre pièce. Vous savez, la pièce où j'ai ma collection de livres Disney et d'animation de manière générale. J'ai toute une petite étagère à côté avec mes Blu-ray, notamment Disney, d'animation japonaise et autres. Du coup, je voulais transvaser les Blu-ray, tout ça ailleurs, je ne sais pas encore où, mais pour créer une mangathèque, parce que vous voyez qu'à certains endroits, en fait, et notamment ici et là, juste là, il y a seulement des mangas. Il y en a aussi en bas, à ce niveau-là, voilà, là où il y a Aria et tout. Et du coup, j'aimerais vraiment tout enlever les mangas pour qu'ils ne soient absolument pas confondus avec mes livres grand format de poche, réaménager tous mes poches, parce que là, il y en a un petit peu partout. La place que va faire les mangas va pouvoir donner de la place aux poches, et ainsi de suite. Donc voilà, vous voyez que là, il y a les livres de médiathèque que j'ai pas encore rendus parce que ma médiathèque a fermé sans en rien dire à personne. Bon, bref, du coup, ils sont là, ils resteront là. Enfin bref, j'ai plein de trucs à arranger et pour réaménager la bibliothèque un petit peu, toujours dans le même esprit, hein, avec des livres tournés. Vous savez que moi j'aime bien des livres dans cet ordre là, je dirais dans ce format là, pas dans ce format, dans cette orientation là, enfin des livres posés à la verticale et d'autres à l'horizontale. Moi j'aime bien faire ça, mais voilà, tout réorganiser parce que là clairement j'ai des livres partout, j'ai encore des livres que j'ai carrément posés par terre, j'ai des livres sur mon bureau parce que j'ai plus de place. Voilà, donc faut que je réaménage tout ça pour que ce soit plus pratique, plus visuel. Donc c'est parti, on va faire ça dans cette vidéo. Voilà mes wapis, du coup me voici dans la pièce que vous connaissez, le décor habituel des vidéos. Et donc c'est dans cette petite étagère là dont je vous parle, là il y a tous mes livres de collection Disney animation que j'aime beaucoup trop, je veux pas toucher. Mais du coup j'aimerais faire une mangathèque juste là. Alors attendez, j'essaie de vous montrer mieux. Hop, voilà. Elle est quand même, il y a 3 cases hein, au total, donc je pense que tous mes mangas peuvent rentrer là-dedans, je pense. Donc là le plus dur étant de vider tout ça, enfin non c'est pas le plus dur mais de vider tout ça, de voir où je vais le mettre, je ne sais absolument pas. Et voilà, et après comme ça je pourrai ranger mes mangas, vous parler d'ailleurs un petit peu des séries que j'ai et les séries dont je vais me débarrasser également, comme ça je fais un tri dans ma mangathèque. Il y en a quelques-uns sur Vinted mais bon au cas où je vous dirai ça en vidéo également. Et voilà, du coup c'est parti, hein, allez c'est parti. Clairement, on va prendre ça sous cet angle-là. Bon, on va éviter de monsieur propre, qui n'est même pas du monsieur propre en fait. Hein. C'est de l'eau et du vinaigre blanc mélangé. Mais enfin bref, c'est la dernière bouteille de produits ménagers que j'ai pu acheter. Il y a toujours le contenant. Il faudrait que je le personnalise, en fait, ça serait rigolo. Bref, voilà, la bibliothèque là est absolument vide. Donc il y a mes Blu-ray partout et tout. Bref, là c'est l'apocalypse dans un contexte de rangement. Nous sommes là. Donc bien sûr que je vous remontrerai le résultat final, même avec mon bureau clean et tout. La bibliothèque clean de l'autre côté aussi. Mais voilà, le challenge maintenant c'est de faire entrer tout ça là-dedans. Je suis pas sûre en fait. Je suis pas sereine sur le coup. Il y en a aussi par terre. J'ai des doutes. Bon, le plus important étant... Même si j'adore exposer mes sagas d'amour, voilà, celles que j'ai adorées, de les voir en fait, je vais privilégier le fait de mettre les livres non lus du coup devant pour me faciliter la tâche quand je souhaite les chercher, les prendre, les lire. Voilà, de toute manière, hein, c'est que provisoire, la bibliothèque de mes rêves avec manga tech d'un côté, BD et tout,
Je l'aurai un jour, hein, ça c'est sûr, mais je ne sais quand. Pour le moment, j'essaie de faire au plus pratique. Et du coup, là, déjà d'avoir tous mes mangas d'un seul côté et tout, ça va être super bien. Donc là, je regarde ma pile et je me dis, waouh, je sais pas comment je vais faire rentrer tout ça. Donc écoutez, c'est parti, on y va, hein, comme ça, je vous montre un petit peu mes sagas aussi. Donc là, qu'est-ce que je pioche? Les trois premiers tomes de L'Enfant et Les Enfants de la Baleine. Série que j'adore, une sorte de beau mélange. Fantasy, science-fiction, enfin c'est très beau, c'est très onirique, hyper poétique, les dessins sont incroyables, mais que j'ai pas pris le temps de continuer. Je crois qu'on en est rendu au tome 17 ou 18, un truc du genre, hein. C'est une saga qui est quand même bien avancée et qui est toujours en cours tout simplement. C'est publié chez Glénat, c'est beau. Franchement, j'aimerais bien la reprendre, la continuer, mais voilà, tellement de sagas en cours. Du coup, celle-là, je vais la mettre derrière, c'est sûr. Je vais déjà faire un tri comme ça, ce que je dois mettre derrière, et après, comme ça, je rentre. Ensuite, je tombe sur Tempête de Cristal, qui est donc pareil, les trois premiers tomes. Donc ça, c'est une saga lue chez Kumiku, pardon, que j'ai plutôt bien aimé, mais je vous en avais parlé, le dernier tome m'a extrêmement déçue. Donc je reste sur un petit mitigé sur cette saga. Pour le moment, je la garde dans ma médiathèque, dans ma mangathèque. Mais peut-être qu'un jour, je m'en séparerai, hein, par manque de place, ou voilà, tout simplement, je sais pas, pas forcément l'envie de la relire, mais il y a quand même une certaine originalité qui s'en dégage et tout. Enfin, je vous invite à aller voir mes comptes rendus lecture si ça vous intéresse, que ça vous intrigue, mais un univers très beau, très riche, assez original, mais qui m'a déçue sur la fin. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Bah, L'Enfant et le Maudit. Là, ils y sont pas tous. 2, 3, 4, 5, 6. Là. Tac. 2, 3, 4, 8, 9, 10. Il doit y avoir le 1 quelque part par là parce que je m'en suis servi pour une dernière. On adore, non mais là c'est l'apocalypse. Hein. Je vais savourer quand tout va être rangé. Voilà, L'Enfant et le Maudit. Donc moi j'ai les 10 premiers tomes. J'ai vérifié en plus là en mettant mes sagas à jour, tout ça la fois dernière. Le tome 11 et dernier tome sort en octobre ou novembre. J'ai déjà oublié la date, mais enfin c'est imminent, c'est avant la fin de l'année. Donc clairement, je pense petit à petit me les refaire pour le Pumpkin Autumn Challenge, un petit manga par jour tranquillement, jusqu'à la date de sortie du dernier. Et comme ça, je pourrais achever la saga avec tout, tout frais et tout. Alors, voilà, une de mes sagas chouchou, je vous en parle suffisamment assez. Celle-ci, du coup, j'aimerais pouvoir la mettre en avant plutôt sur le devant de la bibliothèque pour la relire progressivement là, avant la fin de l'année. Ensuite, Just Not Married, c'est un manga que j'ai lu, que j'ai bien aimé, mais je vous en ai pas encore parlé en update, voilà, dans une vidéo. Donc du coup, j'aimerais quand même le mettre de côté, enfin clairement en avant pour pas que je l'oublie et pouvoir vous en parler, ne pas aller piocher derrière. Donc pareil, je le mets vers le devant. Ensuite, là, on a L'Atelier des Sorciers. Je sais même pas si je suis à jour. Non, je crois qu'il me manque le top 7 qui est sorti, que j'ai donc pas lu. Le tome 6, je l'ai acheté, mais sans le lire parce que je m'étais dit que j'attendrais d'en avoir minimum 2. Mais vu que j'ai pas acheté le dernier sorti, bref. Et je crois que le tome 8 est très très attendu et sort tout bientôt également, avant la fin de l'année. Une saga que j'adore également, que je souhaite évidemment poursuivre, donc voilà. Mais L'Atelier des Sorciers, j'aimerais bien la faire figurer à l'avant quand même, hein, parce que je l'aime beaucoup et je la trouve très esthétique, très 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 esthétique, du coup j'aime beaucoup. Je vais la mettre plutôt sur le devant et après je verrai. Ensuite, là je pioche les trois premiers tomes de Hajin. Alors celle-ci, je vais la mettre sur le devant momentanément, clairement parce que j'avais déjà lu le premier tome, je vous en ai déjà parlé, je l'ai lu l'année dernière pour le Pumpkin Autumn Challenge, et depuis je n'ai toujours pas lu la suite, mais clairement ça se porte très bien, puisque vous verrez que vous aurez vu peut-être déjà que c'est dans ma pile à lire du Pumpkin, donc voilà, le 2 et 3, voilà, donc je vais me les mettre devant également pour y penser. Ensuite, je pioche le tome 1 de La Petite Faiseuse de Livres, tome que j'avais vraiment très 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 apprécié. Je souhaite poursuivre la saga, mais toujours, toujours pas, hein, clairement. J'ai toujours pas acheté les tomes suivants, mais c'était tellement mignon. C'était vraiment une petite lecture doudou. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Petit truc qui s'était coincé dedans. Clairement que je vais poursuivre, mais pour le moment je vais le mettre derrière parce que c'est lu et que j'ai toujours pas la suite, donc il va derrière. Ensuite, je tombe sur Le Couvent des Damnés. Vous savez, cette saga que j'aime beaucoup, qui parle de vengeance, de chasse aux sorcières, et donc d'une jeune fille qui se retrouve, pas esclave, mais bon, hein, ça s'en est tout proche, dans un couvent et qui souhaite faire sa vengeance. Ben voilà, j'ai toujours pas poursuivi, j'avais lu le tome 2 et j'ai toujours pas lu le tome 3. C'est une saga que j'aime beaucoup, que je trouve assez glauque, mais quand même d'une puissance assez rare. Je sais pas, j'aime beaucoup, j'aime l'héroïne et tout, j'aime l'ambiance qui s'en dégage, qui est pas horrifique, mais qui est glauque, hein, qui est assez glauque. Mais voilà, du coup, le tome 3, je compte aussi me le lire avant la fin de l'année.
Donc, est-ce que je me mets pas seulement le tome 3 parce que le reste est assez frais et ça, je le mets derrière. Je pense que je vais faire ça. Ensuite, il y a les Deep Sea Aquarium Magmel. Donc, j'ai les 4 premiers tomes. J'ai lu que le premier pour l'instant. Donc, pareil, j'aimerais bien les mettre devant parce que, clairement, ça a été un énorme coup de cœur. Je me rappelle plus si je vais en parler ou pas. J'ai énormément de retard dans les comptes rendus lecture. J'ai plein de livres à vous parler. Et donc, bah, ça avait été un énorme coup de cœur. Je crois que je vous en parlais quand même dans un vlog. Et du coup, bah, très hâte de lire la suite. Regardez-moi ces couves. Elles sont juste plus belles les unes que les autres. Je crois que le tome 5 est sorti tout récemment et que le tome 6 sort avant la fin de l'année, si je dis pas de bêtises. Ensuite, je pioche un tome isolé. Il s'agit du premier tome de Minuscule que j'avais quand même très apprécié. Minuscule, premier tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, qui est absolument doudou, mais il m'avait manqué un petit fil rouge conducteur. Mais après, c'est peut-être ma faute, c'est parce que je n'avais pas du tout compris en fait qu'il n'y avait pas de fil rouge justement dans cette histoire, à cette tranche de vie où vous savez que moi j'aime beaucoup ça. C'est vraiment mon genre préféré. Peut-être à la fois dans les romans, déjà les romans, mais dans les mangas, les mangas tranches de vie, c'est ma vie, clairement. Et là, en fait, on a que ça. Mais moi, j'aime bien qu'il y ait un petit, quand même, un fil conducteur, vous voyez, qu'on suit une trame, et qu'à côté, il y a tout un tas de tranches de vie. Voilà. Mais du coup, ça reste carrément mignon, carrément doudou, c'est un concentré de douceur. Mais du coup, j'ai qu'un tome, je l'ai lu, donc il va derrière. Ensuite, pareil, un tome lu, le Notor Contraire, que j'ai pas vraiment apprécié, je le garde encore momentanément dans ma mangathèque, mais je sais pas si je vais pas m'en débarrasser à terme, j'ai pas une envie folle de continuer. À la fois, je me dis que si je tombe dessus d'occasion à un prix sympa, peut-être lui donner sa chance, mais clairement pas en priorité, donc il va derrière direct. Les 3 premiers tomes de Green Mechanic Saga que j'adore, le tome 3, il est où? Qui est... C'est où? Non, c'est lui. Non, ça c'est le premier. Je m'en sors plus, c'est celui-là, voilà. Le tome 3 que je dois lire dans ma pile à lire solaire, mais je m'étais dit que je voulais quand même relire les tomes 1 et 2, même si je les ai déjà relus, parce que j'avais lu que le tome 1 et j'avais laissé traîner de ouf pour lire le tome 2, mais comme j'avais adoré le tome 1, j'avais relu le tome 1 et le tome 2 à la suite, mais comme j'ai laissé encore un grand moment entre le tome 2 et le tome 3 que voici, j'aimerais bien me relire du coup l'intégralité. Voilà, donc c'est dans ma pile solaire, j'aimerais bien les mettre devant, pareil, et pour pouvoir après avancer. C'est vraiment une saga que j'adore, dont on n'entend jamais parler, chez Kiyun, voilà, hein, que j'adore. Donc clairement, j'ai vraiment envie de poursuivre cette saga, j'ai pas envie de la laisser à l'abandon. C'est une saga qui avance très lentement. Il n'y a pas beaucoup de tomes sortis pour le moment, c'est une saga toujours en cours. Donc voilà, j'aimerais vraiment me mettre à jour pour après pouvoir attendre les autres. Je crois qu'on en est rendu au tome 4 ou 5, pas plus, hein, donc voilà, j'aimerais vraiment la mettre sur le devant. Ensuite, un seul tome unique, là, c'est A Silent Voice, pardon, le tome 1, que j'avais bien apprécié, même si insupportable, jeune. Mais bon, j'imagine qu'après, ça évolue. Je crois que c'est un manga qui a été adapté en livre, là, tout récemment. Je ne me rappelle plus qui a fait ça, d'ailleurs, quelles éditions. Mais bref, voilà. Pour le moment, je le garde, pareil. J'ai pas une envie folle de poursuivre. Mais bon, j'avais quand même trouvé cette histoire sympa, donc je le mets derrière parce que j'ai qu'un tome et qu'il est lu. Le renard et le petit tanuki. Adorable. Pour le moment, bah, j'ai les 2 premiers tomes sortis. Le 3e est pour très bientôt. Donc voilà, là je suis à jour, ils sont lus tous les 2, pareil je vais les mettre derrière. Your Name, que j'ai en un seul tome, et ça je sais pas si j'ai pas envie de me prendre le coffret, enfin je crois qu'il est sorti une sorte d'intégrale de Your Name, je sais pas si c'est sous forme de coffret ou si c'est un plus gros manga, mais du coup bah, pour le terminer, bien sûr j'ai vu l'adaptation en film, c'est un film incroyable que j'ai adoré, mais voilà, le manga, je l'avais moins aimé le manga, je trouve que... Je sais pas, il y a moins d'émotions quand même qui se dégagent du manga. En tout cas, c'est moi ce que j'ai perçu, hein, attention. Mais voilà, du coup, il est lu, donc pareil, lui, il va derrière, même si très beau manga. Hein. Ensuite, j'ai L'étrange Noël de Monsieur Jack en manga. Donc ça, c'est un manga auquel je tiens beaucoup, parce que déjà, il m'a été offert par mon petit frère, comme ça, spontanément. Il a vu, il a pensé à moi, et c'est trop bien. Et je suis contente, en fait, je suis contente d'avoir cette adaptation sous format manga de L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est magnifique, hein. C'est clairement très joli. On y retrouve toute l'esthétique de L'étrange Noël de Monsieur Jack sous forme de manga, je trouve ça super chouette. Donc c'est un copier-coller de l'histoire, hein, si vous connaissez déjà L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais du coup, je suis contente, moi, d'avoir ce livre-ci dans ma mangathèque, je l'adore. Ensuite, Saga, dont je suis absolument pas à jour, vous voyez qu'il y en a que 2, je crois qu'on en est au tome 30, le tome 30 est sorti il y a peu. Donc je les ai lus les 2, bien sûr, j'ai bien aimé, clairement. Je souhaite poursuivre, mais c'est pas pour de suite, donc ça va derrière. Une série qu'il faut absolument que je poursuive, à
après la pluie de Jun Mayuzuki, que j'avais trop kiffé, c'est chez Big Kana, et je sais pas pourquoi j'ai pas continué, mais voilà, là on est dans une sorte de romance, mais assez mûre, avec des gens d'un âge différent, avec, je sais pas, j'aimais bien l'ambiance, c'était assez feutré, assez délicat, ça me plaisait, et j'ai toujours pas poursuivi, donc voilà, pareil, il va aller derrière pour le moment, j'ai qu'un seul tome, mais je souhaite poursuivre cette saga, c'est sûr. Ensuite, tous les tomes sortis pour le moment de Alpi, le tome 5 est prévu également pour avant la fin de l'année, saga que je commence à vraiment très apprécier, celle-ci va se situer dans mon Pumpkin Autumn Challenge, le tome 4, voilà, donc ça, c'est une série que je souhaite poursuivre, je vais la mettre... Je vais mettre que le tome 4 devant pour y penser. La série Beyond the Cloud, qui est une saga coup de cœur pour moi, que j'ai absolument adoré. Le tome 4 est sorti. Il était tellement attendu. Ça faisait, je crois, 2 ans qu'on attendait la suite. Et il est enfin sorti. Je me le suis toujours pas procuré. Il faut vraiment que je m'en occupe. Et voilà, ça sera un moment de douceur. C'est tellement beau. Les couvertures sont tellement incroyables. C'est un univers qui est doudou également, qui est beau, qui est fantaisiste, qui est empreint d'une poésie rare en fait, j'ai adoré ce manga, donc c'est chez Kiyun également, pas de surprise. Et celle-là en fait clairement, j'aimerais trop la mettre en avant parce que c'est une de mes sagas préférées, il n'y a que 3 tomes si j'arrive à la caser devant parce que pareil elle est extrêmement esthétique, hein, on peut pas se le cacher, voilà, je sais pas trop comment je vais arranger ça, mais j'espère pouvoir la mettre devant en fait. Une saga tout récemment lue et commencée, Magus of the Library, chez Kiyun encore, hein, décidément, j'ai quand même pas mal de parutions de chez Kiyun, une maison d'édition que j'aime beaucoup. Du coup, il est lu tout récemment, je souhaite poursuivre cette saga, évidemment, ça m'a beaucoup plu, mais je vais le mettre derrière pour le moment. Escale à Yokohama, j'aime trop, un coup de cœur tout récent pour moi, j'ai lu les 2 premiers tomes, absolument adoré, voilà, c'est du tranche de vie à gogo, plutôt dans un univers ici de science-fiction, mais qu'est-ce que c'est beau, enfin j'adore, c'est une réédition parce que c'est une saga qui est assez ancienne mine de rien, c'est réédité tout récemment chez Meian Edition que j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup leur catalogue, donc voilà, j'ai le tome 3 également qui est dans ma pochette à livres, là que j'avais embarqué avec moi, je vais lire incessamment sous peu, et du coup ben, je vais les mettre devant également. Le Jardin des Illusions, tome unique, c'est un petit one shot avec plein de petites nouvelles en manga d'histoires différentes. Bref, un gros coup de cœur pour cette couverture, pour cette originalité de l'œuvre. Du coup, je me l'étais commandé, vous pouvez voir, je vous mets la vidéo là, de mon giga unboxing de FK Manga. Donc, et il vient d'ici et du coup, il se regarde comme ceci. Et du coup, pareil, il va être dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais le mettre devant parce que je vais bientôt le lire. La saga Orange, magnifique saga que j'ai trop aimé. Vous pouvez retrouver mon avis en update lecture, je vous en ai assez parlé. J'ai adoré, hein, c'était un vrai kiff, je m'étais fait un tome sur... sur 6 jours du coup, avec 6 tomes, et c'était un pur régal, franchement, très belle saga que je vous recommande, qui prône l'amitié, de belles valeurs, une histoire assez incroyable au final, hein. Ça passe par toutes les émotions, c'est absolument sublime, mais du coup elle est terminée, alors elle est très esthétique, j'aime aussi beaucoup l'esthétique de cette collection. C'est les éditions Akata, mais bon, elle est lue, donc je vais essayer de la mettre derrière pour le moment, parce que si je peux pas l'exposer, bah, je me la mettrai derrière. Les 2 premiers tomes de Hansen, qui sont tous les deux lus, voilà, une saga sur l'univers de la danse classique, et j'avais beaucoup aimé, j'ai toujours pas continué, il y en a aussi énormément qui sont sortis, je crois qu'on est à plus de 20 tomes également, et voilà, mais je souhaite continuer, j'aime beaucoup, c'est un univers qui me parle, un sport que j'aime énormément, donc... pareil, ils sont lus, ils vont aller derrière, mais il faut que je pense à me procurer la suite. Le tome 1 de Nana, pareil, saga en cours. C'était tout petit format, ceux-là, Delcourt. Ouais, Delcourt, ils font des tout petits mangas, c'est trop mimes. Bon, ben voilà, Nana, j'avais beaucoup aimé le premier tome, même si très introductif, hein, mais j'avais bien aimé. Faut que je continue. En plus, ma June, sinon, elle va me... Ensuite, le tome 1 de Terrarium, ça je vous en ai pas encore parlé, pareil en update, c'est tout récent, mais j'ai vraiment bien aimé, bien que assez introductif, mais il y a quand même beaucoup de choses hyper cool, hyper intéressantes. Je souhaite poursuivre, bien sûr, il y a le tome 2 qui sort tout bientôt, je crois que c'est en octobre, donc
Je vais le mettre derrière, c'est lu, mais je vais poursuivre, c'est sûr. Ensuite, les deux premiers tomes de Yotsuba, pareil, eux, ils sont lus, ils sont adorés, c'est du tranche de vie, c'est beau, c'est tendre, c'est fun, c'est rigolo, c'est plein de tendresse, bref, c'est tout mignon, j'ai passé d'excellents moments avec ces deux lectures, et je souhaite bien sûr continuer. Tome unique, Letter B, qui est dans la palle de mon Pumpkin Autumn Challenge, donc je le fais basculer direct devant pour y penser, j'ai trop hâte de découvrir ces merveilles-là. C'est tellement beau, j'ai trop hâte, clairement. Kana et Delcourt, c'est les plus petits mangas qui existent, ouais. Ils ont vraiment des formats minus, tous les deux. Ensuite, The White Waste Beast of the Wizarding Wisdom de Nagabe chez Komiku, que personnellement, j'avais beaucoup aimé. Oh, j'adore quand je retrouve des petites fleurs séchées comme ça dans mes trucs. Moi, je l'avais clairement beaucoup aimé, il a été un petit peu décrié et tout, il y a eu des avis divergents, mais j'avais pas vu le mal, clairement. De tout ce qu'on pointait, il faut arrêter aussi de voir toujours du négatif et de voir et du racisme et du machin. Et de... Pff, franchement, c'est saoulant à force. Donc moi, je l'avais trouvé très beau et justement très diversifié avec plein de jolis messages. Et voilà, tout simplement, ça retranscrit très très bien, je trouve, les états d'âme et toutes les hésitations, les envies parfois bizarres ou autres qu'on peut avoir à l'adolescence avec tout ce qui est chamboulé. Enfin voilà, c'est très joli et en plus dans un univers assez bien installé de magie et tout. Voilà, moi j'avais trop kiffé, donc clairement je le garde dans mon mangatech. Bon, en plus c'est Nagabe. J'aime beaucoup trop, mais il est lu et je vais voir où je le mets. Les fleurs de la mer Égée, que j'ai lu aussi il n'y a pas longtemps, que j'ai assez aimé, je compte poursuivre, c'est une saga en 3 tomes, donc clairement j'aimerais bien avoir le fin mot de l'histoire, ça serait dommage de s'en priver, mais je vais le mettre derrière. Somalie et l'enfant de la forêt, voilà, qui est une de mes sagas préférées, que j'aime énormément d'amour et je suis en dépression totale depuis que j'ai appris malheureusement que le mangaka est très malade. Et qu'il risque de ne jamais terminer cette saga, voilà, donc on aura peut-être jamais le fin mot. Le dernier tome étant sorti, et le tome 6, j'avais adoré, nous là sur un suspense assez ouf et tout, enfin voilà, c'est une saga que j'aime énormément, et je suis un petit peu triste de savoir que ça ne continuera peut-être pas, voilà. Tous les tomes de Blue Flag, forcément, pareil, une saga dont je vous ai déjà parlé à de nombreuses reprises, moi j'ai adoré, j'ai totalement adhéré à cette saga, qui est trop belle, qui véhicule mais tellement de messages positifs, bienveillants, de diversité, d'inclusivité, de... Enfin, c'est incroyable, il y a vraiment beaucoup de choses dans Blue Flag, et il faut pas s'arrêter peut-être au peut-être petit cliché qu'il peut y avoir de triangle amoureux dans le tome 1-2. Non, faut vraiment poursuivre, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de relations diverses et variées, plein de questionnements, c'est vraiment très intelligent, je trouve, très bien fait, très bien pensé. Moi qui déteste les triangles amoureux de base, j'ai adoré la complexité justement, et c'est pas une saga qui va vers la facilité et vers les clichés. J'aime beaucoup, vraiment, ça m'a beaucoup plu. J'aimerais l'exposer, pareil, regarder comme elle est belle, comme elle est esthétique, elle était exposée dans ma bibliothèque. Mais je peux pas tout mettre devant, clairement. Ensuite, il me reste Jizo, que j'ai toujours pas lu, parce que bah, lui, pareil, je me le gardais pour un moment un petit peu plus sombre de l'année qui arrive, vous le savez. Donc j'ai hâte de découvrir cette balade qui est apparemment très onirique également, empreinte d'une ambiance assez intense, assez particulière. Donc j'ai hâte, clairement, de me poser un soir et de savourer ce... Oh, c'est très joli, c'est très joli. Regardez. Il y a vraiment de jolies pages, enfin, j'ai vraiment hâte, donc celui-ci bah, il va aller devant également. Ma saga de manga préférée, Aria, dont j'ai que les 3 premiers tomes, mais ça m'a suffi pour dire d'ores et déjà que c'est ma saga de manga préférée, en tout cas c'est celle qui m'a le plus enchantée de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Donc, donc voilà, il faut absolument qu'il les figure à une bonne place ici, mais regardez comme ils sont gros, regardez la place qu'ils prennent déjà, je vais jamais y arriver. Je vais clairement jamais y arriver, c'est fou. Mais j'aime beaucoup trop. Il faut vraiment que je me procure la suite. Mais d'un côté, je suis triste de savoir que ça va avoir une fin. J'aimerais que ça soit interminable. Enfin, on arrive vraiment à la fin. Un été à Tsurumaki que j'ai découvert cet été, qui était absolument trop cute. Pareil, je vous en ai toujours pas fait l'update. Mais bon, j'ai adoré. Et également, le tome 1 de l'édition colossale de l'Attaque des Titans. J'ai hâte aussi de me poser avec ce beau livre là d'une qualité ouf. Et de commencer vraiment l'Attaque des Titans sous format manga. J'ai déjà vu l'animé, mais pas entièrement, attention, ben, je crois que j'ai seulement vu les 2 premières saisons. Voilà, et du coup, j'aimerais vraiment continuer en manga. J'ai hâte de me poser, de redécouvrir l'histoire sous ce format-là.
Voilà. Ensuite, je vous parlerai des sagas que je veux sortir de ma mangathèque, que donc j'ai mis sur Vinted, et qui peuvent peut-être vous intéresser, mais d'abord, je vais essayer de ranger tout ça. C'est parti. Il y a tout qui est rentré nickel, mais quand on voit des mangas comme ça pas rangés, on s'imagine vraiment pas l'espace que ça peut prendre, mais au final il me reste pas mal de place, enfin pas mal, oui, la case du bas elle est quasiment pas prise, donc je vais pouvoir ranger là mes petites séries que je vais vous montrer que j'ai en transit, hein, qui sont en vente, et tout est rentré bien, j'ai pu exposer toutes mes sagas préférées et il y a devant parfaitement tous les livres que je dois lire, donc je suis trop contente. Donc concernant les sagas dont je me débarrassais, il y a les 3 premiers tomes de Global Garden, donc surtout n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous intéresse, si vous avez envie de les découvrir. C'est pas des sagas que j'ai détestées, clairement. Global Garden, j'avais adoré, j'ai adoré la poésie que dégageait cet ouvrage, c'est vraiment très floral, c'est beau, c'est emprunt un petit peu du rêve, de l'interrogation, il y a beaucoup de schémas assez complexes de destins qui s'entrecroisent, qui s'entremêlent, différentes histoires l'une dans l'autre. C'est assez joli, mais je ressens pas le besoin de continuer, clairement. Je m'étais lu ça un été, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant je crois. Et c'était, franchement, c'était tout beau, hein, mais voilà. Je pense que je vais m'en débarrasser. Donc ils sont en vente sur mon Vinted. Franchement, ils sont en bon état général. Les pages là, enfin, les tranches sont un petit peu jaunies. Voilà, après ça vous dérange ou pas, clairement. Il y a 2-3 endroits où les enfin voilà, c'est un petit peu corné. Celle-ci est là un tout petit peu déchirée, mais clairement ça reste en très bon état et le tout est très lisible, hein. Il n'y a aucune tache, enfin voilà. Ils sont quand même en bon état, donc voilà. Ils sont sur Vinted, je vais pouvoir les archiver ici. Il y a également le tome 1 de Baymax dont je me débarrasse parce que clairement je vois pas trop l'intérêt de le garder dans ma mangathèque du coup. J'avais bien aimé, mais sans plus. Ça reprend vraiment l'histoire des nouveaux héros, mais un petit peu différemment. Bon voilà, je vous en avais parlé également dans un update lecture, mais je compte pas le garder. Ensuite, Pandora Hearts, hein, vous le savez, j'ai pas du tout accroché, j'ai pas envie de persévérer sur une saga où il y a plein de tomes, alors qu'il y a tellement d'autres sagas, regardez, que je dois poursuivre, qui me tentent d'autres, mais tellement que j'ai envie de commencer, j'ai pas envie de m'empêtrer dans une saga qui déjà, dès les 2 premiers tomes, ne me plaît pas. Donc voilà, les 2 premiers tomes de Pandora Hearts. Et également, je souhaite me débarrasser de ces deux petits Twinkle Star, voilà, ce sont les 2 premiers tomes, c'est un shoujo qui peut plaire, je pense, à beaucoup. Voilà, du coup, on passe à la partie finale de cette vidéo. Je vous reprends pour vous montrer un petit peu l'organisation et comment j'ai pu directement exposer les mangas. Donc j'avais mis des séries derrière et regardez, j'ai pu mettre devant comme je voulais Blue Flag du coup. Et là, il y a le tome 8 qui ne rentrait pas, mais genre, je dirais un mini poil de cul. Hein, et bon, tant pis. Voilà, donc L'Enfant et le Maudit. Forcément, avec le dernier tome qui devra se glisser là, mais du coup faudra que je décale, bon on verra bien. L'Atelier des Sorciers, pareil, que je n'ai pas encore au complet, donc là il y a ma petite pop de Kubo d'ailleurs, hein. Hop, voilà, toujours ici, je les adore ces deux petites pop. Ici donc Beyond the Cloud, que j'ai pu aussi mettre devant, que j'aime beaucoup trop. Ensuite on passe à cet étage, j'ai pu exposer également Orange devant, que je trouve trop beau, trop esthétique, j'aime trop. Et ici, donc là on a la petite puff de Death Note.
Et donc ici j'ai pu exposer les sagas que j'ai en cours et donc les mangas qui ne sont pas encore lus, notamment les Deep Sea Aquarium Magmel, la 2, 3, 4 que je n'ai pas lu, Ajin 2, 3, le tome 4 de Alpi, le Jardin des Illusions, les Terbi, le Couvent des Damnés, le tome 3, les Escales à Yokoyama, du coup ils sont tous lus, entre temps j'ai lu le 3, Terrarium du coup qui est là, il est récent et je dois vous en parler dans un update donc je l'ai mis là. Ici on allait un petit peu plus grand format, voilà, Jizo qui est là, Quartier Lointain également, je suis trop contente, trop contente. Et enfin ici les petits derniers, donc avec ben forcément les Aria, donc là je pourrais entreposer les autres quand je les aurai, l'Attaque des Titans, le tome 1 ici, si j'ai mis les petits extraits donc j'aurai encore de la place. Entre temps il y a ma Clo donc de Mad Girl with a Book qui m'a offert ce merveilleux manga que je voulais trop trop trop, voilà, c'était un cadeau en retard pour mon anniversaire et genre trop 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 adorable, elle est trop mignonne vraiment, donc Maclo, merci encore si tu passes par ici, je suis trop contente, voilà, ça faisait une éternité que je voulais lire Cardcaptor Sakura parce que moi je suis de la génération de l'animé en fait et donc petite j'étais accro à Sakura mais au dessin animé et je, voilà, je m'étais dit depuis un moment que je voulais bah, découvrir l'œuvre dans son intégralité en manga et sous ces éditions là incroyables, c'est Pika qui fait ses volumes un petit peu collector, là je me rappelle plus la collection que c'est. Bon bref, ils sont vraiment magnifiques et donc ben, toute la saga est sortie comme ça, donc je suis ravie, j'ai le premier tome et derrière vous voyez que j'ai placé ben, les fameux tomes que je souhaite vendre, me débarrasser, donc je suis trop contente. Hop, lui je vais le remettre comme ça plutôt. Voilà, comme ça, il est nickel. Voilà, donc au niveau de ma manga tech, je suis trop contente. Tout rentre ici, même si j'ai d'autres petits volumes, entre temps, je pourrais les mettre ou en bas ou les caler là où il y a la pop de Kubo que je vire. Voilà, je suis trop 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 contente et au moins tout est ici pour le moment. Au niveau de mes mangas, c'est mais tellement plus pratique. Je suis trop contente, donc allez, on switch et on retourne dans le salon pour voir l'autre bibliothèque. Et donc, nous voici toujours avec ma petite Kiki qui est toujours là, le Pothos, qu'il faut que j'arrose un petit peu aujourd'hui. Donc du coup, voilà comment se présente la première étagère. J'ai pas non plus changé énormément de choses, et puis, mais le principal, en fait, c'est que avec toute la place qui s'est dégagée en enlevant les mangas, bah, j'ai pu tout réaménager. Donc voilà quelques titres que j'ai posés ici. Outlander, je l'ai mis un petit peu en exposition. De toute façon, pour le moment, il est seul. J'ai pas encore la suite. Donc voilà, il est là. Il est trop différent ici. Je l'adore. Voilà, après, donc bah, plein de livres ici. J'ai essayé ceux-là, par exemple. Après, j'aimerais bien les retourner parce que j'aime pas trop les tranches foncé, noir, mais vu qu'il faut que je vous en parle en update, Circé, Aristote et Dante notamment, voilà, je les ai mis là, après je pense que je les retournerai, Grandir un peu, hein, qui est mon Sam Gamji, qui trône fièrement ici, et j'essaierai tant bien que mal, dès que je peux, de l'exposer comme ça, parce que j'aime trop. Ici, j'ai rien touché, c'est toujours notre petite collection, très petite, pour le moment, de livres sur les jeux vidéo. Ensuite ici un autre petit coin, donc là principalement je crois que c'est des livres lus ou des livres pas urgents, enfin voilà, dans ma palle, mais qui sont pas urgents, ou alors des suites principalement. Donc ici c'est quasiment que des livres lus sauf le Virginie Grimaldi que j'ai mis ici, voilà. Ensuite ben, là les grands formats j'ai quasiment pas touché, hein. J'ai un petit peu réaménagé ici par exemple, mais j'ai quasiment rien touché. Voilà, là j'ai mis les Lady Hélène ensemble, bien sûr il me manque le 1 que j'ai déjà lu mais que je n'ai pas en grand format, il faudra que je me le procure un jour pour compléter ma collection. Et ensuite là quand même ça a pas mal changé puisque j'ai pu mettre un petit coin BD ici déjà alors qu'elles étaient toutes là à la base, donc là j'ai pu compléter parce que il y avait plus de place, elles étaient l'une sur l'autre, enfin bref, j'en avais aussi dans le bureau, donc là j'ai pu toutes les mettre ici, donc mes BD, il y a le Silmarillion également, Le Port des Marins Perdus, que je viens de terminer quand vous voyez cette vidéo, et j'aime trop, enfin quand je filme cette vidéo, là je viens de le terminer hier, c'est incroyable. Ici, bah, c'est les livres que je dois rendre pour la bibliothèque, hein. Je vous ai dit, elle a fermé, donc ça va virer après par la suite. Ici, j'ai mis donc une petite colonne de poche, ici il y a le coin Monsieur Toussaint l'ouverture principalement, voilà, avec les ânes, mais forcément les ânes après... C'est mon rêve de leur dédier une étagère seulement avec les ânes, puisqu'en plus je compte me procurer des tomes, enfin comment dire, des ouvrages de ânes
autre que cela. Voilà, un petit peu de collection, même très jolie, mais voilà, c'est mon roman préféré, donc j'aimerais bien avoir plusieurs versions et plusieurs éditions, en fait, de ce roman, même en anglais et tout, voilà. Petit kiff. Bon, donc Anne, elle aura son étagère un moment venu, mais là, c'est toujours pas possible pour le moment. Et du coup, j'ai pas Anne d'Avonlea, puisqu'il est toujours chez ma maman, que je lui avais prêté. Et bon, j'ai toujours pas récupéré pour le moment. Souvenir de Marnie, que je viens de terminer également, qui était trop bien, je me suis régalée. Et là, je suis en train de lire un qui est là, normalement, qui est Watership Down, et pour le moment, j'adore. Voilà, donc ça, c'est le petit coin Monsieur Toussaint l'ouverture pour le moment. Ici, j'ai mis des livres dont je souhaite me débarrasser, donc celui-ci, Rogi, que je vais mettre dans une boîte à livres, parce que malheureusement je peux même pas le vendre, parce qu'il a un petit une bulle en fait qui avait été découpée. Moi je l'avais acheté déjà comme ça, je le savais pas, mais voilà. Du coup, je peux pas le vendre. Enfin, moi, je peux pas permettre ça. C'est pas possible. La Malédiction Grimm, hein, qui était une chouette lecture, c'était vraiment sympa, mais bon, voilà, je compte pas continuer de toute manière et voilà, je tiens pas particulièrement à le garder dans ma collection. Et celui-ci que je compte pas lire, hein, je l'avais eu dans une box, il me semble, littéraire, mais franchement ça m'attire vraiment pas plus que ça, donc je compte m'en séparer. Celui-ci que je vais vous faire gagner en concours, et celui-ci également parce que je l'ai en double. Bref, donc ça, restez connectés. Ici, donc on est toujours sur des petits ouvrages ou scientifiques ou voyages avec l'Écosse, Rapa Nui, tout ça. Également de cuisine. Là, on a des petits ouvrages cinéma, également des livres à ma maman, genre ça, Harlan Coben. Je ne lis pas Harlan Coben. Là, il y a encore... Ah mince, Dédale, c'est un manga. Ah, il faut que je transfère Dédale. Beaucoup trop bien, en plus, ce manga, c'est un intégral, je l'aime beaucoup, beaucoup trop. Je vais le faire avec vous, on va le transférer. Donc ici, il y a toujours, voilà, des BD. Également ici, des BD. Donc voici pour... la bibliothèque mise à jour. Et on va transférer des dalles de suite. Et voilà, des dalles qui rejoint la mangathèque. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu d'aménager un petit peu cette mangathèque. En tout cas, je suis trop contente du résultat. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors, vivez-les à fond. Ciao tout le monde.